Oh, not again. Ah, donc le jaune est... Ah, il est là. Donc ouais, on a bien été téléporté un peu à la... un peu n'importe où. Et on va devoir continuer à refaire une zone un peu spéciale pour pouvoir revenir dans le vaisseau. Allez, tiens bon, je viens de sauver. On est reparti avec notre petit perso pour donc récupérer notre ami qui est je ne sais où d'ailleurs. Je vais augmenter un peu le son du jeu parce que je trouve que les musiques sont, enfin pour moi, hein, sont vraiment géniales. J'aimerais bien en profiter. Voilà qui est fait. Et on y va. Alors, c'est quoi? Ça va être un labyrinthe. Que chaque zone a un petit peu sa particularité de gameplay. Vous voyez? Voilà, par exemple, The Gravitron. Donc il va falloir faire des esquives, j'imagine. Voilà, ça va être ça l'idée. C'est assez rigolo, j'aime bien l'idée. Genre shoot 'em up. C'est assez rigolo. Ah, pas facile. Surtout qu'on peut pas. On peut pas inverser, il faut vraiment. Ah, c'est rigolo. Pas évident, hein, parce que je pense que tenir 1 minute sans crever, sans se faire toucher. Faudrait voir s'il n'y a pas des speedruns là-dessus. Tiens, faudrait que je regarde le speedrun après. Je regarderai le speedrun. Ah, les enfoirés. Le speedrun qui a été fait à la GDQ dernièrement. Parce que je sais pas ce qu'ils zappent, quelles sont les parties qu'ils zappent. Mais je suis curieux de voir comment ils passent ce passage. Parce que j'imagine que. Ah, bah oui, je peux faire ça aussi, c'est vrai. Je peux passer à l'envers. Je pensais que j'étais cantonné à un seul. Ah, salaud. 30 secondes. Heureusement qu'il y a des petits checkpoints toutes les 5 ou 10 secondes. Heureusement. Ah merde, je pensais que ça passait aussi ça. Pas facile, hein. Il va falloir passer les. Ah! Bien joué ça, je me suis empalé dessus. Bravo le, bravo, bravo. Oh non, ça passait. Si je me faisais pas chier que. Non, ça marche pas. Faut vraiment rester au centre pour. Raté. Raté. Ça passe pas ça. 30 secondes encore. J'ai le compteur bloqué à 30 secondes pour le moment. Je passe pas les 5 prochaines secondes pour le moment. Ça va peut-être le faire là. Ouais, là, c'est bon. Bon, esquive, esquive. Ah, ça marche qu'un petit peu. Ah, je suis passé à 20 quand même. J'ai passé les 10 dernières secondes. Non. Il y a un côté un peu. Alors, un peu, hein. Il y a un côté un petit peu Meat Boy dans les esquives. On dirait des. Certains passages de scie dans Meat Boy qui ressemblent un petit peu à ça. 10 secondes, allez. Alors, je trouve que dans cette musique qu'on entend là, il y a un passage qui rappelle fortement. Le passage de musique de Street Fighter. Raté. Ok. Ah non. Nanana. Ok. Donc je suis passé. Donc voilà notre ami. Que je ne peux pas rejoindre, que je ne peux pas repartir là-haut. Donc la sauvegarde. Donc c'était qui? Comment il s'appelle celui-là? C'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? I feel dizzy. Qu'est-ce que ça veut dire dizzy? Je suis malade, dizzy. Allez. Allez. English Institute. Dizzy. J'ai oublié ce que ça veut dire. Soyons précis. J'ai le vertige. Tête qui tourne. Ah, tête qui tourne. Tête qui tourne. Oui, forcément. Tunnel of Terror, attention, hein. Nos signaux, donc on sait pas. Ah, il me suit, ouais, c'est bon, il me suit. Allons-y. Walt. Ah, me dis pas que c'est la fin du passage? La game save, oui.
Donc j'aurais peut-être pu faire ce passage-là la dernière fois avant de ramener notre pour ramener notre ami. Voilà, qui est fait. Mais je pensais que le passage serait beaucoup plus rude, étant donné la difficulté du passage précédent quand j'ai ramené le précédent personnage. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que le téléporteur nous a envoyé dans cette dimension. Il y a quelque chose ici. I think it might be causing the interference that's stopping us from leaving. Donc quelque chose, une interférence qui nous empêche de partir d'ici. Très bien. Ah, ça c'est les différents sons. Jukebox, d'accord. Ça c'est quoi? C'est Pushing Award. Et ça c'est les différents trucs, les ronds que je ne récupère pas parce que je m'en fous un peu. Je vais pas vouloir finir le jeu en entier. Bien, nous allons continuer. Donc on a ramené l'avant-dernier personnage. Il y en a un, deux. Trois. Quatre. Donc 5 mois, et donc normalement on est 6 si je dis pas de conneries. Ok, donc là on va reprendre la carte. Alors, où allons-nous aller? Il y a toute une zone qu'on n'a pas faite, qui est là-haut, là en vert, qu'il va falloir essayer de trouver. D'ailleurs, faut peut-être monter pour cela. Essayer de passer sur la partie. Alors, si, voilà, j'ai ma souris. Essayer de passer sur cette partie-là, là. D'ailleurs, en parlant de souris, je vois pas, voilà. Essayer de passer par ici, là, pour arriver de l'autre côté et éventuellement monter par au-dessus. On va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Envoie la souris. Donc nous remontons. Voilà, donc nous remontons très haut, là, bien sûr. Je reçois des messages, je peux savoir qu'en foutre sur WhatsApp. Où suis-je? Dans quelle étagère? C'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Surtout que là, c'est la. Ouais, c'est un cul-de-sac. Donc il va falloir monter par-dessus. Voilà, plutôt par là. Ah. On va essayer de faire ça comme ça, on va voir si ça passe. Ah mais en fait ça nous ramène ici, donc on est toujours en bas, donc on s'en fiche. On continue à monter. Ah, je voulais monter. Allez hop. Et là où suis-je? C'est mieux, donc on va continuer par ici, voilà, on va prendre le checkpoint comme ça, on sait jamais. Ah, Vermillon. Hey Captain! Salut Captain! Ce chemin a l'air très dangereux. D'accord, mais ça veut dire que moi faut que j'y aille quand même, non? Comment fait-on? D'accord, comme ceci. Ah! Heureusement, il y a un petit check. Ah bah là aussi un petit checkpoint, mais un checkpoint qui m'amène ici, donc c'est pas ce que je veux. Plein de petits. Ok, bon, je pense qu'il suffit d'avancer vite, voilà. Et nous y voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Un télétransporteur? Un télétransporteur a priori. Et donc on a atterri où là? On atterrit dans cette partie là. Très bien. Bah écoute, suivons le chemin. Une sorte de petit labyrinthe a priori. Ouais, c'est ça. Faudrait que je regarde où il nous TP quand même. Parce qu'il nous TP à plein d'endroits différents. Hop. Pas besoin de tout explorer, a priori, il y a juste à rejoindre les différents téléporteurs. Parlant de téléporteurs, il y en a un là-haut, et donc un là-haut qu'on ne peut pas atteindre. Ok, nous voici ici. Bon, pour le moment, il n'y a rien de très compliqué dans la mesure où il n'y a pas 36 choix. Ok. Et donc là, on est où? On est en bas. On va prendre ça, on va prendre le TP. Et on va continuer complètement à gauche. Où il n'y a rien.
Eh bien, on va descendre alors. Parce que c'est la seule option qui se prête à nous. Ok, cul-de-sac aussi. Descendons encore. Ah, il y a un petit... une petite boule. Ah, par contre, on va arriver par le haut, là. Ça, c'est pas mal, d'accord. On va essayer de découvrir toute la zone avant d'avancer un peu. Reprenons la sauvegarde. Et descendons. Ok. Donc ça, c'est une zone cul-de-sac. Et ici, nous avons quoi? Ah, nous sommes déjà descendus, là, d'accord. Nous sommes arrivés alors par le haut. Que voici. Ah! Non, 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 descend! Ok. Pareil, recul de sac. Prenons... je visite un peu tout, comme ça on saura à peu près où on se situe. Voici un... bah d'ailleurs, voici la zone en question, ou quasiment en question. Alors avant d'aller vers le téléporteur qui semble être notre but, notre destinée. Hop. Ok, on a fait toute la zone à part ça, donc voilà, donc c'est juste... ok, donc il y a tout un méli-mélo de trucs qui n'a pas vraiment d'importance. On va remonter et on va redescendre. Et on va aller complètement à droite, voilà. Donc le TP est là. On peut se téléporter. Mais on n'en a pas envie. Donc on va rester ici, et puis on va progresser. Voilà, la musique change. Ce qui indique souvent d'ailleurs une zone spécifique. Hop. Ok, donc quelques ennemis à éviter. On va prendre ceci. Voilà, pour le moment rien de très compliqué. Là c'est pas tout à fait pareil. Ah si, je suis con. En fait on fait ça, et il faut trouver. Et hop, on passe de l'autre côté. Voilà, oh putain. Donc là. Ok, il va falloir la jouer. Ouais. Est-ce qu'il faut mieux pas le faire dans l'autre sens? Non, dans l'autre sens j'ai dit. Pas facile. Ah, trop loin. Ok. Ah, je suis naze. Bon, en gros c'est ça. On colle à la plateforme. Merde, non, pas comme ça quoi. On colle à la plateforme et puis on se laisse. Si on n'est pas trop con comme moi, on se laisse aller à droite. Voilà. Ah bah là je suis allé trop loin. Mais en gros c'est ça l'idée. Et là on s'arrête et là on y va et on arrive ici. C'est perturbant parce qu'on a l'impression qu'on va revenir dans la salle d'avant, mais en fait pas du tout. Ok. Donc là on va tomber là. Là on va tomber... ah! C'était ça, mais je me suis pas arrêté. Donc là on tombe là, là on tombe là. Oh, c'était limite. Non, j'ai appuyé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Ça passait! Ah! J'aurais même pu y aller direct! Ça c'est naze! Voilà! Revenons en arrière, prenons le. Obéir! J'obéis rien du tout moi! Je préfère me suicider plutôt qu'obéir! Ah! Je suis allé trop vite encore! Bien joué! J'ai whiffé! Ah, je me suis pas arrêté là, par contre, c'est con. La même.
Je vais la refaire à chaque fois, hein. Ok, nous y voilà. Hop. Donc ça veut dire que maintenant... Ah oui, il faut aller en bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte là-haut. J'ai le checkpoint, donc ça devrait le faire. Voilà. Et un téléporteur. Où nous trouvons-nous? Nous nous trouvons ici. Je pense qu'il va falloir progresser. Ouais. Pas besoin de prendre le téléporteur, on va avancer encore. Ah merde, ah oui ça passe pas. Là ça passe, là ça... Oh c'était beau. Ça, ça passe pas. J'ai voulu la jouer à l'arrache. Mais ça ne marche pas toujours à l'arrache, bien sûr. Voilà. Ah oui, c'est beau. En fait, j'ai pas la patience d'attendre le bon mouvement, parce que comme je suis naze à ces trucs-là, comme c'est pas un passage très difficile, je mise tout sur le bol. Pas très skillé. Mais justement, j'en manque du skill. Raté. Raté. Ça passe, et ça passe. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc on va pouvoir monter. Ah merde, j'avais pas vu le triangle. Ah oui, d'accord. Ok, un timing comme m'a chopé. Maintenant... Ah, j'avais pas vu l'autre enfoiré là-bas. Non ! Non ! Bon, et maintenant, je vais faire ça peut-être, voilà. Puis il va falloir aller très vite. Ah, ça passe pas, je pensais que ça passait. Ah oui. Et si je fais ça dans ce sens-là plutôt? Voilà, ça sera plus simple. Alors, passage rigolo, on va aller voir le petit. L'autre jour, j'ai chased down the hallway, a chase down on. Hallway by a giant cube. J'ai été donc poursuivi par un cube géant avec le mot avoid dessus. Ok. Ces mesures de sécurité vont trop loin. Très bien. Alors là, ça va être épileptique. Quoi? Ah oui, d'accord. Ça va être épileptique, je le sens. Tiens, il y a la sauvegarde ici. Il faut faire quoi? Il faut faire ça? Il faut faire ça. Donc ça, c'est bon. Facile! Le seul chemin to my private vers mon labo secret, enfin privé... Anymore is by est le seul moyen de se téléporter, si j'ai bien compris. It's made sure this is difficult for an authorized personnel to gain access. Comme ça, ça limite l'accès aux personnes seulement autorisées. Enfin, c'est le sens, quoi. Alors, comment montons-nous? Parce que là, il va falloir faire ça, ça. Ah merde. Ah, plus compliqué. Plus compliqué. Je peux faire ça aussi direct. Bon. Pourquoi pas, faisons ça. Faisons ça, mais alors maintenant, je fais ça peut-être, voilà. Ah, merde, raté. Donc ça, 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 et ça. Ah oui, le truc c'était juste pour récupérer en fait le rond tout à l'heure. Ça, ça passe. Ensuite, faudrait que j'aille là. Et ensuite... Là, j'imagine. Là. Ça... Ah, ça passe, c'est bon. Non! Les salauds, j'ai passé le téléporte. Mais ils considèrent que j'ai pas passé la zone. C'est des bâtards! On va essayer d'aller vite. Ah, trop vite. Raté. Trop vite encore. Petit passage qui a l'air simple mais qui peut être un peu compliqué. Ok, donc passons de l'autre côté. On a pris le checkpoint. Là, il l'a considéré comme bon.
Jusqu'ici tout va bien. Là si je descends c'est bon. Il faut que j'inverse au moment d'arrêt. Ok, ça marche. Ah, il faut éviter l'écœur et remonter, d'accord. On va se coller là, hein. Ah merde, j'avais pas vu le... D'accord. Trop vite. Ok. Ça passe. On va passer de l'autre côté. Non, c'est quoi l'idée? Plutôt vers le bas comme ça. C'est bon ça. Alors ensuite. Ok, ça passe aussi. Bon, je me débrouille pas trop mal pour le moment. On va prendre le checkpoint. Des cœurs brisés, très bien. Non, ça passe pas par contre. Ça passe pas. Là, j'ai pas envie de me faire chier chez les droïdes. Voilà. Alors, ensuite, le timing. Plutôt en haut, plutôt en bas. Plutôt en haut. Quoique. Voilà, on va pas s'emmerder. Tiens, notre ami. Notre ami. Captain! Donc c'est le dernier, a priori. J'ai été très inquiet. Comment il s'appelle celui-là? Alors, il s'appelle Vert de Gris. Vert de Gris? Chief Vert de Gris. You're okay? Ça va? I keep trying to get out, but I go around in circle. J'ai essayé de m'enfuir, j'ai essayé de sortir d'ici, mais je tourne en rond. Je viens du vaisseau et je suis ici pour vous téléporter là-bas. Tout le monde va bien? Est-ce que Violette? Elle va bien. Elle est retournée au vaisseau. Ok, donc il est amoureux de Violette, lui. Oh, great! Let's get going then. Allons-y. Bon, il va me suivre, donc ça change quoi? Ça change pas grand-chose. De passer par là, on va aller sûrement à droite. Pour le moment, bah, pour le moment, c'est ça. Pressons Enter. Alors, level complete, mais il va peut-être encore nous TP un endroit à la con. J'ai sauvé un nouveau membre d'équipage. Tous les membres d'équipage ont été secourus. Voilà. Mais avons-nous été TP dans le vaisseau? Oui! Tiens donc. Welcome back! Où suis-je, moi? Trois petits points. Où est le capitaine Viridian? Ah ben voilà, c'est moi qui ne suis pas là. Il va y avoir le dernier truc. Tout le monde n'est pas content, forcément. Et je me retrouve tout seul. Ah, allô? Allô? Y a quelqu'un? Temporary fault. Donc voilà, donc je me retrouve seul. Je ne sais où. Pas de signal, pas de carte. Donc je peux tomber donc à l'infini, j'imagine comme ça, et passer. Regular service will return shortly. C'est marrant, les messages en bas sont assez rigolos quand même. Bon, passons le. La sauvegarde. Et avançons, progressons. Ah oui, d'accord, donc on est. Alors plutôt en bas ou plutôt. Allez, plutôt en haut comme ça. Voilà. Alors est-ce qu'il me fait le coup du. Ouais, je repasse de l'autre côté, c'est bon. Ok. Passer d'un coup, j'imagine. Ah, pas trop vite quand même. C'est bon, ça passe. Yes, 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 yes. Je sais pas ce que représentent les trucs en dessous les yes. J'arrive pas bien à voir. Oh non, c'est dégueulasse. Ça passait facile. Voilà. Ah mais là, par contre, oui, je suis con. Là, c'est moi qui suis con. Ah bien sûr, reviens en arrière, c'est bien. Reviens en arrière. Ouais, bravo. Ça passe. Allez, on prend la sauvegarde et donc on va, j'imagine, faire un truc dans ce style. Donc faut vraiment être au centre. Ah oui, au centre.
Ah merde, je suis pas remonté assez haut. Trop bas. Et donc dans l'autre sens ça marche pas forcément. Donc on va vraiment partir de l'autre côté. Raté. J'essaie de m'arrêter avant, pas avant de assez tôt, mais pas trop en fait. Voilà, pas comme ça. C'est bon, cette fois-ci ça passe. Je pense qu'il va falloir faire comme ça. Ah merde. Voilà, donc là, on peut faire... Je pense qu'on peut faire ça. On a pris la sauvegarde, donc là, ça devrait bien se passer. Ah! Et je me fais défoncer, voilà, bravo. Non, raté. Temps de latence, temps de latence. Enfin, temps de latence, hein, de mon cerveau, hein, je parle pas du jeu. Voilà. C'est quoi l'idée là? Il faut faire ça vite ou... Vous trouvez l'ordre ou qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'idée? Ah non, en fait faut juste progresser. Je suis con. D'accord. Pas facile. Trouver le bon angle d'attaque. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai pas pris de sauvegarde. Saleté. Faut que je touche la sauvegarde à l'arrivée là-bas. Perturbant, hein, le fait de passer d'un écran à un autre. Allez, prenons la sauvegarde. Voilà. Ok, la même. Ah! Ah! Pas évident, hein. Ok, passons là. Passons là. J'imagine qu'il faut passer là. Ah, le petit passage à la con. Oui, faut avoir le super timing. À moins que je me fasse chier, que je peux faire ça. Vous voyez? Ou peut-être pas en fait. Ah si, ça change rien. Ça change rien. Donc je peux faire ça. Ça c'est fun. C'est fun mais ça me fait mal aux yeux. Faut que je trouve le timing pour passer dedans là. Ah! On va prendre cette sauvegarde là plutôt. Ah, c'était pas mal en fait. C'est presque bon, dis donc. Ça passe pas. Non. Non. Ah! Saleté. Et ça passe. Ah, sauf que... Ah, l'enfoiré! Par contre, il faut que je le fasse deux fois de suite. Ça, c'est salaud. Et là ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Ça demande voilà, de pas se chier dessus. Et d'être carré sur le timing. Voilà. Surtout que le timing est vraiment pas régulier. Il va falloir trouver. Ah, c'est compliqué. Non, c'est pas bon ça. Non, non, trop tôt. Alors peut-être que je me débrouille mal, hein, peut-être que je le fais mal, hein, mais je sais pas si je le, si, je sais pas si le faire dans l'autre sens, ça changera quelque chose. Je pense pas, non, je pense que c'est vraiment dans le bon sens qu'il faut. Ah merde, il faut aller. Ah, on va y aller. Hop, tac, tac, et c'est parti. Là, le timing est pourri, hein. Faut un timing parfait. Non, j'ai failli y aller. Ah, j'aurais pu là, je pense.
Parce que je vais légèrement plus vite que lui, ou il va plus vite que moi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je vais légèrement plus vite que lui. Que le défilement. Donc il faut trouver l'ouverture adéquate. C'est con parce qu'on pourrait presque y aller direct. Mais en fait, c'est pas prévu pour, j'ai l'impression. À moins de faire ça. Et de faire ça. Ah non, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est si je suis tout en haut. Alors, ça veut dire que si je fais ça. Non, ça marche pas. Parce que là, il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose. Alors, je vais devoir faire une pause. Car là, ça devient urgent. Et je reviens dans quelques minutes. Ok. On y va. Bon, allez, on va essayer de le faire. On va essayer de le passer, ce truc-là, à la con, là. Avec ma souris qui va me gêner, en plus. Non. Ah, saleté, là. Truc, après, il y a le passage. Je sais pas comment il est exactement, le passage qui suit, là. Il est bien naze. Ah, mais genre, ça passe pas, quoi. Il y a eu un passage particulièrement compliqué, enfin un peu chiant. Ah! J'étais bien là! Et c'est le deuxième que je recommence vraiment beaucoup là. Non, trop bas. Trop. Je me précipite malheureusement. Ah merde, trop tard. Il faut que j'aille plus tôt. Saleté de merde, de saloperie. Ouais, trop tard. Je pense que ça passe, mais faut que je décoince plus vite. Je laisse trop bas. Là, là, là. Là, trop tôt. En fait, voilà, il faut que je note parce qu'après c'est le même rythme. Heureusement, c'est le même rythme à l'entrée. D'entrée. Non, non. Là, là. Et trop tard. Ça fait quoi? Ça fait une. Une, deux, trois, quatre, cinq. Non, six, sept, c'est le septième. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est ça, ok. Maintenant que j'ai là, maintenant que je l'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop tard. Et c'est bon. Alors maintenant, je vais pas aller trop vite. En plus, ça inverse. C'est bâtard. Alors par contre, c'est quoi le rythme? D'accord, je crois savoir. C'est pas simple, hein? Parce que plus je me... Ah, si, si. Plus je vais vite, en fait. Alors, je vais me planter comme une merde au premier essai. Tel que c'est parti. Ah, j'ai voulu y aller à l'arrache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça passe. C'est beau. Ok. Donc on y est. On a passé cette merde. Ça va être une formalité, voilà. Prenons le sauvegarde qui ce qui est fait. Je pensais que ça passerait comme ça, c'est bizarre. Prendre son élan. Eh oui, super élan. Magnifique.
Merde, là c'était couru d'avance. C'est cool, ça passe pas direct ça. Non, raté. Je pourrais y aller direct aussi. Raté. Non. En fait, j'ai envie d'y aller vite parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ah, ça m'énerve ce dernier passage là. Il a l'air de rien, mais en fait c'est le plus chiant pour moi. Enfin, c'est ce que je trouve le plus chiant, le plus merdique. Voilà. Bien. Ah bah oui, je suis con. En fait, c'est ça, c'est ça. Alors, que me dit ce... Activate le terminal. Alors... La stabilité générateur de stabilité dimensionnelle. Currently generating. Ah, this must be what's causing the interference. Voici ce qui cause les interférences. J'espère que je peux l'éteindre. Warning, disabling the dimensional stability generator may lead instability. Are you sure? Donc forcément, arrêter le générateur de stabilité dimensionnelle va déstabiliser, va tout déstabiliser. Est-ce que je suis sûr? Je n'ai pas le choix. Yes. Vraiment? Toute la dimension peut s'écrouler sur elle-même. Réfléchissez bien une minute. Êtes-vous vraiment sûr de le faire? Yes. Warning, Dimensional Stabilizer Offline. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Bon, pour le moment ça fait juste que changer la couleur. Donc rien d'extraordinaire. C'est parti. Qu'est-ce qui m'attend? Si ce n'est des niveaux... Là ça passe pas. Hein. Ok. Faut trouver le timing, donc c'est pas celui-là. Saleté, là. Voilà, c'est passé. Ah, les tapis roulants de merde. J'aime pas les tapis roulants dans les jeux. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, trop tôt. Ça passe. D'accord. Alors. Ah, les petits tapis roulants de merde. Ces petits. Ah non! C'est pas tout le temps des tapis roulants, si j'ai bien compris. Si? Si, c'est tout le temps des tapis. Non, c'est pas des tapis roulants. Ouh, pas facile. Haha! Oh, je suis passé, je sais pas comment. Je suis passé. Voilà. Ah ben bravo! Je t'ai passé. Mais non! Voilà. Et là, ça passe, ok. On y va. Non, je peux. Par contre, ça marche pas dans ce sens-là. On est obligé de repasser dans ce... On est obligé cette fois-ci de le faire dans ce sens-là. Par contre, il faut que j'avance, j'imagine. Ah, ils reviennent en arrière en plus, donc oui. Saleté. J'aime bien le passage, par contre. Pas facile, mais je sais pas. Ça, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. J'aime bien cette réplique-là. Voilà. Ok, donc on se retrouve ici, ça se désagrège. Merde, je pensais avoir appuyé dessus. Mais genre. Mais genre. Ah mais ça se désagrège pas, donc j'ai pas besoin de ressauter vite.
Non. Bien joué. Toujours pas. Bah, c'est pas vrai, je suis dessus. Normal. Normal de se faire piéger sur le premier truc. Non, j'ai pas sauté là. Enfin, j'ai pas inversé la gravité nouveau. Il y a, je pense, un rythme à la con qui passe tout le temps, mais. Mais non! J'ai fait inverser la gravité là, c'est dégueulasse! Ça a l'air de rien, mais. C'est précis, hein. Voilà. Ok, donc là, il va falloir être précis aussi. Ah! C'est bon! Ah, scrolling, ça fait longtemps! J'adore! J'ai inversé la gravité, putain! Ouh là 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 là! Ça me rattrape! Eh oui, ça va trop vite! Peut-être mon passage préféré du jeu, ce scrolling. Maintenant, on refait le truc un peu à l'envers quand même. Hein. Il y a des passages qu'on a fait tout à l'heure. Merde. Ah! C'est serré là. Ça demande de la précision là. Hein. Faut avoir un angle d'attaque parfait. Et ouais. Pas simple. C'est bon. Et un rescrolling, parfait. Ah, saleté! Ah oui, d'accord, on recommence de là, oui. Ça m'a surpris. Bah, ça me surprend, même là. Bravo! Se concentrer parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ok, on a pris. Ah, j'ai pas inversé ma gravité là. Ah merde, comment on fait? Ah oui, parce que j'avais pas vu le pic en fait. Donc je suis obligé de faire ça. Ça. Ah, puis faut aller vite, hein. Comment je vais faire? Faudrait que j'aille là-haut, c'est ça là? Pas facile, hein. Non, toujours pas. Faudrait quoi? Contourner ce truc là? Je suis pas sûr de la méthode à employer là. Ouais, c'était, sur mon avis, c'est ça. Faut être précis, hein. Ah, je me suis pas arrêté dessus. Puis j'ai pas le droit trop à. J'ai pas le droit trop de m'arrêter parce que. Ah, mais inverse ta gravité de merde! Ah, je suis pas allé assez vite! Maintenant que je sais à peu près. Mais putain, il inverse pas sa gravité, je veux aller vite! Non! Saleté! Non, il inverse pas sa gravité. Raté. Non plus. Non plus. Un passage pas évident. En fait, on n'a pas le temps de trop de. Faut être précis tout de suite, quoi. Ouais, là, j'ai pas inversé ma gravité, donc nul. Ah, là, je l'avais bien. Non! Non!
Ok, raté. Ah mais putain, inverse ta gravité de merde. J'appuie sur la barre d'espace mais trop tard. Il y a un tout petit temps de latence au moment de la... qui permet pas de... qui permet aucune erreur. Bien joué. Non plus. Parce qu'après il faut que j'aille vite. Faut que je me dépêche de monter en fait. Faut que je vise là et puis après que je... Ouais. J'ai pas trop le temps de m'arrêter sur la plateforme, il faut que je reparte direct. Oh, c'est bon. Ouh, c'était limite hein. Parce que là si je me dépêchais pas c'était mort. Et je recommençais. Bon bah tant mieux. On est passé, on a pris le checkpoint, on y va. Ok, donc ça marche pas, on faut faire ça. Ok d'accord, on tire, on monte. Ils font chier de nous faire démarrer à l'envers là, parce que à chaque fois... Ah là, ils font chier de nous faire démarrer à l'envers. Surtout la sauvegarde de ce côté là quoi. On peut pas trop se caler. Ok, sauvegarde. Bon voilà, il suffit d'avancer vite je pense, j'imagine. Et inverser. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte de latence en fait, ça demande vraiment de précision au niveau de l'inversion de la gravité. Congrats. Shiny Trinket. Ah, c'est beau. C'est beau ce que j'ai fait. C'est très beau. Je le fais trop vite. Bon ça va, le passage me dérange pas. Je le trouve même plutôt agréable. Non. Ok. Où allons-nous atterrir? Je reste bien au centre, on va voir. Dans l'espace. Game complete? Tous les membres des personnages 1, Trinket Phone 10, Game Time 3 heures, Total Flip 3400, Total Death 9, ah, presque 1000 quand même. Hein. Hardest Room 80. Ah oui, je suis mort 86 fois. Je pense que je crois savoir sur quel je pense savoir sur quelle salle, de quelle salle il s'agit. Et donc. J'ai disparu. Je suis mort. Any moment now. Et ben voilà. Salut. Capitaine. Vous allez bien? Je savais que vous irez bien. You were very worried then you didn't... J'étais vraiment inquiet que vous ne reveniez pas. Mais quand turn off the source of the... Mais quand vous avez éteint la source d'interférence, we were able to find you with the ship scanner. Le scanner du vaisseau vous a retrouvé. Nous étions capables de vous retrouver grâce à cela. Et vous téléporter à bord. Quelle chance. Quelle chance. Merci les enfants. Merci guys. It's just like this dimension is starting up to destabilize just like your own. We can stay and explore for a little longer, but... Eventually, I'd collapse completely. They are not telling exactly how long we have here, but the ship is fixed, so... As soon as we are ready, we can go home, quand nous sommes prêts, nous pour partir. Donc je pense que je peux me balader dans la zone. What now, capitaine? Que faisons-nous? Let's find a way to save this dimension. Trouver un moyen de sauver la dimension. Et un moyen de sauver votre dimension, notre maison, notre dimension à nous également. La réponse est quelque part, hors d'ici quelque part. En avant. VV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 
Donc un petit jeu sympathique, ma foi, assez court, hein, mine de rien, 3 heures. Avec une BO plutôt entraînante, plutôt sympatoche. Intéressant. Alors j'imagine qu'il y a d'autres modes. Le fait de trouver, j'imagine, tous les shiny trinkets, ce genre de choses. Chose qu'on ne fera pas, parce qu'on a vu l'essentiel du jeu, j'ai pas envie de m'étaler dans la découverte du jeu, j'en ai vu à peu près la substantique moelle. Merci d'avoir joué, mais de rien, c'est merci d'avoir fait ce jeu surtout. C'est très sympa, assez rigolo. Voilà, un petit jeu que j'avais récupéré dans un Humble Bundle. Donc, excusez-moi, assez agréable. Donc VVVVV, je pense que je vais aller me faire un petit speedrun de VVVVV, celui de la GDQ la dernière fois, il y en avait un. Parce que maintenant que je connais un peu l'essence du jeu, je vais peut-être beaucoup plus comprendre ce qui se passe à l'écran. Et je pense que c'est très intéressant parce que je pense qu'il est taillé pour le speedrun, effectivement. Alors, sans glitch ou avec glitch, je ne sais pas quelles sont les différentes catégories. Mais en tout cas, il y a du skill, il y a de l'exé. Donc ça veut dire qu'il y aura des passages, à mon avis, assez tendus. Et est-ce que le mec, une bonne personne, un mec plutôt doué, passe tout sans mourir? C'est vraiment la question. Et chose que je vais aller sûrement regarder. Ça m'intéresse. Ah, nous avons une image de fin peut-être. C'est quoi? Ah d'accord, à tous nos amis qui font de la musique, c'est cela même. Donc le batteur, le bassiste, le guitariste, quoi, moi je chante j'imagine. Le clavier. Et deux guitares. Son, il faut deux guitares dans un groupe de rock, c'est indispensable. C'est mieux deux guitares. Et voilà, petite image de fin à la con, avec nos membres d'équipage qui font un bœuf. Pourquoi pas? Peut-être y a-t-il d'ailleurs une image spécifique quand on a tout terminé dans le jeu. Je ne le sais pas. Je vous laisse aller voir. J'irai voir moi-même de mon côté sur YouTube ce qu'il en est. Et voilà. Congratulations. Votre fichier de sauvegarde a été updaté. If you want to keep exploring the game, select continue from the play menu. Donc on peut continuer à se balader dans le. Ah, il y a un time trial. Intéressant. Donc voilà, donc on sent qu'il est quand même. You have unlocked the flip mode. Alors je ne sais pas ce que c'est. Vous avez les intermission level. Donc ça se trouve des niveaux supplémentaires. Est-ce que nous avons intermission? Replay the intermission level. Qu'est-ce que c'est que les intermissions? C'est les trucs entre les missions. Allons voir justement play mode. Quelle mission? Quelle intermission dont il parle? Ah bah je sais pas, vert de gris par exemple. En atterrio, est-ce que c'est bien ce. Ouais, c'est ce dont je pense, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire c'est ceux où on se retrouve coincé, on va dire, dans un monde téléporté un peu bizarre, et il faut rejoindre le prochain téléporteur alors qu'on pensait qu'on avait. Donc voilà. C'est bien celui-là. Et justement là, je pense que c'est là où j'ai eu beaucoup de morts à un niveau. Où est-il? Je me demande si c'est pas celui-là. Allez, passe! Passe! Ah oui, c'est vrai, faut que je le fasse, faut que je descende. Ok. Allez, allez, allez. Attends, est-ce que c'est dans celui-là où. Je sais plus si c'est celui-là, mais enfin c'était un truc dans ce style où fallait faire passer notre pote et nous également. Non, je suis trop con. Bon bref, je vais pas m'éterniser là, mais enfin voilà. Donc on refait certains niveaux. On refait certains niveaux qu'on a rencontrés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Play mode. No death mode, ah oui. Ah oui. Donc il faut remporter le rang S sur au moins 4 time trial pour avoir un mode sans mort. Donc intéressant. Allez, là, alors le flip. The entire game vertically compatible with other game mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Flip. C'est-à-dire?
Si je fais l'intermission 1 par exemple, prenons Victoria. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord, donc en fait c'est ça. Donc je suis juste à l'envers. Tout le jeu est à l'envers en fait. Ce qui n'est pas forcément en soi plus compliqué. Parce que le principe est d'aller du haut vers le bas. C'est beau ça, j'ai fait passer le mec, mais moi je suis pas passé. Je veux juste voir s'il y a quand même des différences, mais. Je n'ai pas l'impression. Ah oui, et puis en plus, je me fais même pas de. Allez, passe. Non, rien de particulier, il faut vraiment. Passe tout d'un coup, toi. Non, ça passe, ça marche pas. Ah bon, bref, voilà. Donc on inverse entièrement la carte de haut en bas. Et puis voilà. Très bien, et ben. Donc c'était VVVVVVV sur Vision 1D. Un petit jeu sympathique, on va pouvoir partir sur un autre prochain jeu sur Vision 1D. Et je vous dis à plus tard. Salut!